8 en bas, t'as mis 5 000? C'est un jeune, il est encore un peu fragile. Bah, du coup on voit plus. Les 9 en haut la dernière. Qu'est-ce que tu as mis en place comme situation là? Eh bien, là, on est dans une situation de duel, parce que le tir à l'arc, ça n'est pas que de la recherche de performance tout seul face à sa cible. C'est avant tout un sport d'opposition, puisque c'est comme ça qu'on décerne la médaille. C'est-à-dire que les archers sont classés de la première à la 64e place à l'issue d'un tir de classement. Et ensuite, il y a un tableau de match à élimination directe qui est ainsi fait pour que le premier et le deuxième des qualifications, s'ils gagnent tous leurs matchs, se rencontrent en finale. Donc on essaye régulièrement de se mettre en situation de duel, où là l'objectif n'est pas forcément de faire que le score parfait, mais surtout de faire plus que l'adversaire. Donc c'est ce qu'on va faire cet après-midi, en essayant vraiment de les pousser à faire plus que l'autre et à gagner le match. Allez, c'est parti. Tu commences, Lucas ? Non, tu laisses commencer. Ah, c'est le plus fort qui commence, vas-y. C'est toi qui as gagné la select d'après toi. Ok. Neuf à droite. Droite. 10. Pour gagner. 10. 2-0. C'est 10 pour égalité. 10. 3. Pourquoi, Jean-Charles, la différence entre tirer en duel en compétition et à l'entraînement? Sur le papier, la différence, il n'y en a pas. Parce que c'est 70 mètres, c'est des flèches, un arc, et puis il faut les mettre au milieu, et puis se battre, il y a un adversaire, et le but, c'est de le battre. Après, c'est tout ce qu'il y a autour qui n'est pas écrit sur le papier, donc tu n'as pas le stress d'avoir du monde autour de toi, tu n'as pas le stress de l'enjeu de la compétition, l'envie de gagner, la peur de perdre. Tout ce qui va tourner autour. Et c'est ça qui est très difficile à l'entraînement, c'est d'arriver à se remettre dans les mêmes conditions qu'en compétition.
9 ou 10 à gauche. 5-10. Le format de compétition en duel, c'est un format comme au tennis. On marche par 7 de 3 flèches. Chaque archer tire 3 flèches. Et celui qui fait le plus de points marque le 7, c'est-à-dire qu'il marque 2 points. Et c'est le premier à 6 qui a gagné. Et si les archers font le même score de 3 flèches, et bien ils se partagent le point, c'est-à-dire un point chacun. Et donc ce qui nous fait un maximum de 5-7 pour arriver au bout d'un match. Donc c'est très rapide. En compétition, c'est entre 10 et 15 minutes un match. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment être très réactif et très, très incisif quoi, dans le match. Parce que sinon, on passe à côté. Et comme c'est à élimination directe, la compétition s'arrête là. Le gros avantage de ce format en 7, c'est que tant que les archers tirent, n'importe lequel des deux peut encore gagner le match. Tout se joue jusqu'à la dernière flèche. Donc il y a vraiment... cette notion de suspense jusqu'à la dernière seconde. Vite à droite. Neuf, barrage. Ça veut dire quoi, barrage ? Eh bien, ça veut dire que là, à l'issue des 5-7, ils sont à égalité, ils sont à 5-5. Donc, ils vont se départager sur une seule flèche, la plus près du centre. Neuf, légèrement à droite. Et des fois, ça joue qu'à quelques millimètres. Neuf à gauche, un peu plus loin. C'est Lucas qui gagne. T'as un trait de plus, mon chien. Non, j'ai un trait de moins. J'ai gagné. Tous les moyens sont bons. C'est sûr, tu m'as dit. Ah bah oui, t'as raison. Non, non. Ah, il est déçu. Non ouais. T'es déçu, mon chien? Non. Ah, dis-le que t'aimes pas ça perdre, c'est normal. Non. T'es un petit peu déçu, non? Non, non. Je serai toujours content tant que je ferai des tirs à l'arc. Tu sais. Quand je ferai plus de tirs à l'arc, je serai déçu. Bon, t'as vu toutes les erreurs en haut? Encore. Oui. Est-ce que tu les as senties? Non. Et à ton avis, ça vient d'eux? Non, mais si, c'est l'épaule devant. Mais? Mais en me faisant surprendre 2-3 fois, donc du coup, ça n'a pas eu le temps d'être placé. Et tu peux pas la placer plus tôt? Mais ça peut pas être régulier. Ah, c'est ça qu'il faut bosser là. Qu'est-ce qui est pas régulier? C'est le placement ou c'est l'engagement que tu mets dedans? Je pense que c'est les deux. Donc hauteur aucun, et... Il n'y a aucun point de régularité quand ça se passe en bas. Tu peux pas avoir une référence. Donc du coup c'est flou et ça se lisse qu'avec l'engagement. Donc le pire, c'est mal placé et pas engagé. C'est ça. Donc dans tous les cas, quel que soit le placement, si tu perçois pas la différence, faut que tu restes actif devant. Et tu pourrais pas prendre un peu plus de temps dans la préparation pour justement être plus précis dans le placement. Du temps quand? Ben, à l'armement. Pour vraiment aller chercher en bas et vers l'avant. Non, ça cadre trop le truc. T'as pas de marge après? Non. Tu finis la volée, on va aller sur la vidéo.
ça, il faut vraiment que ça soit le point fixe. Ça veut dire quoi quand vous parlez d'engagement ? Moi, quand je parle d'engagement sur mon tir, sur ma technique, c'est une histoire de l'abaissement complet de l'épaule, de l'omoplate devant, qui fait que bah, ça devient le plus bas possible, donc dans le plus grand étirement possible pour que ce soit le plus souple et surtout le plus régulier. Et le problème, c'est que quand j'engage pas complètement devant, et quand je dis engagé, voilà, c'est l'engagement le plus bas, l'engagement le plus au fond, le plus souple devant. L'engagement reprend tous les petits problèmes que je peux avoir sur l'épaule devant. C'est pour ça qu'on, quand on parle d'engagement, ça résume tout. Et ça veut dire, voilà, c'est là-dessus qu'il faut faire gaffe. C'est le contraire de petits bras. Jean-Charles, il fait beaucoup d'erreurs de hauteur. C'est-à-dire que normalement, il devrait être là. Et c'est les erreurs qu'il peut commettre, c'est très souvent en hauteur. Et c'est lié justement à ce que quand il est un petit peu plus court devant, bah, il est obligé de partir en arrière comme ça. Et la flèche, bah, du coup, elle va en haut. Donc il faut qu'il arrive vraiment à plaquer son omoplate devant au maximum et à étirer, à ouvrir le bras devant pour que vraiment derrière, il puisse aller chercher son point de repère ici et la flèche va partir dans les 2-3 secondes qui suivent. Et là, du coup, bah, il sera très stable. Et à l'inverse, s'il est un petit peu plus court, et bah, il va être obligé de forcer un peu pour tirer à la longe et passer le cliqueur. Et du coup, bah, il va faire des petites erreurs. Donc c'est ce qu'on va essayer de travailler sur la vidéo là, pour qu'il ait un retour visuel, même si en compétition on l'a pas, mais pour qu'il essaye de vraiment chercher l'abaissement et l'étirement au maximum. Et l'entraîneur, le coach en compétition, il a un rôle important ou... Moi je considère qu'il faut que tout se fait avant. Après, je ne dis pas qu'il y a des petites régulations possibles en compétition, mais je pense que l'essentiel du travail, il doit être fait avant, parce qu'après, en compétition, on l'a vu, là, sur un match, ça va tellement vite que le temps que le tireur intègre la consigne et réagisse, je dirais que le match est déjà terminé. Et puis après, souvent, en match, ils sont seuls, notamment sur les premiers tours. On ne peut pas avoir un entraîneur par athlète, donc il faut qu'ils aient cette autonomie et cette capacité d'adaptation. Il faut vraiment, vraiment que le travail soit fait en amont. Reste bien actif devant, surtout en fait, le fait de rester actif, qui est important, je pense. Plus que le placement lui-même. Tu vois, il y a le placement, mais le placement, t'es jamais comme ça ou comme ça. Tu vas être un peu entre deux. Par contre, si tu n'es plus actif, c'est là où elle va bouger le plus. Mais si tu restes actif, elle va être posée. Là, toujours actif devant, toujours. Tu vois ce que je veux dire ? Plutôt que de se prendre la tête à dire « est-ce que je suis vraiment comme ça ?» comme ça, non. Tu le fais, et par contre, une fois que tu l'as fait, tu restes actif jusqu'au bout. Et tu te mets pas à subir parce que derrière, tu vas passer derrière pour tirer. Tu continues. Et si tu sens que c'est un peu fébrile, tu réaccentues dessus. Jusqu'à ce que ça parte. Là, toujours actif. Dans l'allongement. Et on ne doit plus avoir de chance, c'est pas possible. Allez, reste actif sur tout le bloc là. Ok. Allez, actif. Il n'y en aura pas une en haut. Pas possible. Tu comprends, tu ne laisses pas la possibilité à la flèche de monter. Tu
lui laisses pas la possibilité de faire ça. Il a contre en bas en restant actif de gauche. Là, il n'y en a pas une. Hein. On est sur une bande, y a une bande taille du 10. Hein. C'est ça qu'il faut que tu intègres, plutôt que de pinailler là juste sur le placement. C'est dans l'action que ça doit se faire. Encore. Reste actif devant. Et après, tu gardes ta ligne. Derrière, tu l'as bien vu, c'est peu importe. Souple. Par contre, garde ta ligne d'épaule. Garde ta ligne, c'est ta ligne de vie, ta ligne d'épaule. Là, il ne faut pas que ça bouge ici. Tu restes dessus. Comprendre, c'est facile. C'est le faire qui est difficile. Après, c'est de la mécanique, tout ça. Et le faire en situation de compétition, c'est encore plus dur. Parce qu'on perd la lucidité. T'as pas perdu une masse ? Et c'est là où l'entraîneur peut des fois remettre l'archer sur les rails, les points sur les i, en lui disant « rappelle-toi ». Et justement, par ce qui est construit à l'entraînement, par cette connaissance qu'on peut avoir de l'archer, du type d'erreur et du type de piège dans lesquels on peut tomber, on peut lui dire « rappelle-toi ». Ça, c'est quelque chose de connu. Et on adapte la bonne stratégie pour rester performant. Et l'autoscopie, les caméras, c'est quoi ? C'est pour fabriquer des preuves, pour qu'ils comprennent plus rapidement ? Il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'avoir un retour visuel sur ce qu'on fait, en léger différé. Parce que c'est vrai que, mis à part le ressenti, s'il n'y a pas l'image, eh ben, on ne peut pas se rendre compte vraiment visuellement de ce qui se passe. Donc ça permet des fois d'approfondir un petit peu ce qu'on peut ressentir. Des fois d'objectiver, parce qu'effectivement, le tireur ne le ressent pas. Et puis surtout, ça permet de travailler derrière. Donc du coup, le tireur peut très bien se mettre ici et observer chaque flèche tirée et juger est-ce qu'elle est bien ou est-ce qu'elle n'est pas bien. Ou tirer, et du fait de l'enregistrement en continu, à un moment, s'il y a une flèche pour laquelle il a quelques interrogations, l'observer et regarder visuellement s'il peut voir quelque chose ou pas. Maintenant, ce n'est pas quelque chose à utiliser tous les jours parce qu'en compétition, on n'a pas l'image. Donc il faut être capable de le faire avec le ressenti. Et pas que avec l'image, mais c'est vrai qu'on tombe vite dans le piège. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont très sensibles à l'image. Donc il faut arriver à les extraire un peu de tout ça. Mais par rapport à Jean-Charles, ça va. T'aimes pas trop l'image, toi, Jean-Charles ? Non, j'en fais très peu, parce que moi, ça m'apporte pas grand-chose. Je travaille beaucoup sur tout ce qui est les sensations et mon ressenti personnel. Après, c'est bien de se remettre un peu là-dessus. Parce que ça te permet vraiment d'avoir un retour extrêmement précis de ce qui va pas, quand t'es vraiment dans le flou et vraiment perdu et que tu sais pas ce qu'il faut que tu fasses. Ça peut te redonner confiance, parce que tu te dis, moi, toi, problème d'épaule, je dis, oh, tiens, ça saute, je vais faire des 8 en haut, c'est un peu mon problème. C'est sûr, quand je mets du monde, ça va être très embêtant. Mais après, quand tu me vois tirer, tu te dis qu'en fond, le tir, c'est propre, tout est fait à 90%. Il y a juste ces 10% qui manquent là, qui sautent de temps en temps. Et que voilà, il y a vraiment que ça à travailler et qu'en fait, c'est pas trop pourri ce que je fais. Donc c'est bien, ça permet de redonner un peu confiance. Le tir à l'arc, on est vraiment sur la répétition d'un geste. Et l'automatisme le plus régulier possible, le plus souple. Et c'est vraiment, et la décision, elle vient de toi. C'est des outils qui aident à la performance. Mais si tu veux être performant, de toute façon, il faut passer au-dessus de ça. Puis arriver à t'en passer. Tu peux jouer un peu devant en essayant de pas, tu vois ce que je veux dire, de faire varier à la marge, mais dans le bon sens. Mais... Non, peu importe, de laisser faire, laisser vivre, mais par contre de bien te concentrer sur à partir du moment où tu mets en tension et surtout quand ça part, de bien rester actif devant et droit. C'est pas d'identifier les causes, c'est de trouver les bonnes solutions pour Jean-Charles et les bonnes solutions qu'il va pouvoir mettre en place en compétition. Donc simple, facile à reproduire, peu coûteuse au niveau musculaire, au niveau du placement et peu coûteuse au niveau de la concentration.
Ça veut pas dire qu'il faut pas continuer à faire cet effort-là, mais il faut le faire jusqu'au bout, tu vois. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu attaches trop d'importance au point de départ, alors qu'en fait, c'est sur la fin où il faut... C'est au moment le plus important qu'il faut rester actif dessus. Et à plus forte raison, quand au départ, tu as un petit doute sur la qualité du placement. Parce que là, tu fais attention, il n'y a pas de flèche en vous. Rien. En fait, ça va avec ta démarche. Ta démarche, c'est je place au début, puis après je laisse faire et je prends en compte, tu vois, je m'adapte. Mmh. Et ben oui, quand ça va bien, et quand ça va un peu moins bien, il faut prendre la main. D'accord. C'est simple. Dans le discours, c'est simple. Mais je pense que, tu vois, c'est quand même nouveau dans le. C'est pas nouveau, mais c'est différent dans la chronologie des choses. Alors, cette journée ? Eh ben écoute, c'est plutôt une bonne journée parce que à la fois les conditions météo étaient plutôt agréables hein, pour un mois de mars. Il y a des fois où on ne peut pas tous les jours tirer dehors. Et ensuite, je pense que pour Jean-Charles, c'était intéressant. Et notamment la dernière partie de la séance parce que je pense qu'il a. C'est quelque chose qu'on travaille depuis très longtemps. Et qu'il voyait les choses que dans un sens, c'est que j'ai l'impression que ce soir, avec la manière dont on les a abordés, il va revisiter un peu le concept, ce sur quoi on travaille depuis très longtemps, en modifiant un petit peu la manière dont il abordait les choses jusqu'à présent. Je pense que c'est dû à quoi ça ? Bah des fois, il n'y a pas d'explication, hein. C'est des moments, des temps, on reformule les choses avec d'autres mots. Et puis voilà, il y a un déclic, il y a une image. Donc il faut voir si ça va durer dans le temps. Mais je pense que. Et puis il faut un temps aussi. Il essayait une méthode mais qui est efficace, mais qui est perfectible. Et je pense que du coup. Là, on a touché du doigt quelque chose. Ça donne beaucoup d'espoir, en fait, pour la séance de demain. Parce que s'il arrive à mûrir, à laisser mûrir un peu là, ce qu'on a vu en fin de séance, demain matin, on va pouvoir réenclencher là-dessus. Et ça va être intéressant de voir comment ça peut évoluer. Et bien sûr, l'évaluation, ça sera en compétition. S'il arrive à mettre ça en place en compétition, et est-ce que ça reste efficace ? L'idée, c'est pas de trouver les causes, c'est de trouver les solutions ensemble. Et ça, c'est beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations. Et puis des fois, ça tient à rien, à des petits moments comme ça où on va appuyer, on va dire un mot qui va avoir plus de sens. En fait, c'est donner du sens à tout ce qu'on peut observer, à tout ce qu'ils peuvent ressentir, pour qu'effectivement, gratter le petit millimètre, le petit plus qui va faire qu'ils vont être encore plus précis, encore plus réguliers. L'entraîneur, c'est un guide, c'est quelqu'un qui révèle. Ben, dans entraîner, il y a entrain, hein, et il y a entrain, il y a traîner aussi. Donc on fait un peu les deux, mais je pense que oui, c'est surtout avant tout un guide, un point de repère, un point d'ancrage. Et puis un beau miroir aussi parfois, parce que c'est vrai que ce soit à l'entraînement ou en compétition, ben, des fois ils perdent un peu de lucidité. Et on essaye d'avoir ce recul et cette hauteur suffisante pour à un moment aller les titiller, aller les chercher sur ce qu'ils peuvent encore améliorer et repousser.